Et yo tout le monde, c'est PokéBlaze, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de Pokémon version Platine sur Nintendo DS. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va s'attaquer à la suite de l'aventure, c'est-à-dire à déjà ce premier combat. Voilà, c'est très la magicence. Et cette phrase ne veut rien dire, voilà. Donc, voilà, hein, il envoie qui ce bâtard. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire cet épisode. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, parce que voilà, ça me fait plaisir. Tout simplement. Regardez comment ce Caradopo nous regarde. C'est un complot Illuminati. Oh mon dieu. Voilà, mais ils nous regardent tous, regardez comment ils nous regardent là, le complot Illuminati. Bah oui, mais j'avais raison, super efficace, tu meurs, voilà, terminé. On n'en parle plus. Oh, les complots, moi je les tue. En plus, il s'appelle Lucas. Voilà, bien. Génial. On s'enjaille. Donc, Aéropic. Dommage, je perds qu'il joue des points. Il a une ceinture Illuminati lui aussi, mais c'est pas grave. Boum! Et voilà! Qu'est-ce que tu vas faire? Et on l'a battu! Wouh! Et voilà les gens. Bon, où qu'on va maintenant? Voilà, je parle très bien français. Vous l'avez sans doute remarqué. Mes talents de français sont inégalables. Le combat, oui, absolument. Allez, c'est parti. Moi, je vous le dis les gens. Takashi! Takashi est par terre. Là, voilà, c'était la blague complètement pourrie. Takashi est par terre. Est-ce qu'on a on a 20 fépales Potion, oui. Alors, on va mettre Torture en position. Il est niveau 31, ce con-là. Mais non. Pokémon. Ordre. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à présent derrière toi? Et oui, on peut. Wouh! C'est très beaucoup l'animation. Pourquoi? Bon, je ne peux plus avancer. Je ne peux pas pratiquer l'avancance. Bon, c'est pas grave. Attendez, j'ai une petite idée là, une idée de type idée qui me vient à l'esprit. Voilà. Et qui était d'ailleurs complètement nulle. Non mais je comprends rien. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Je vous le dis comme ça les gens, je vous le dis comme je le sens. Je vous le dis comme je le pense. Ah, on peut aller vers le haut, très bien. Fallait savoir, hein. Oh mais non. Oh, c'est caca, ces points de merde de Puchimbo là. Je t'en foutrais dans la gueule, moi, des Puchimbo, tu verras. Voilà. Une fois qu'on est là. Voilà, on peut casser les pneus, très bien. Et on peut aller à gauche aussi, voilà. Passer en dessous. Et oui, ce serait la victoire. Boum. Voilà. Ensuite, on peut courir, perdre haleine jusqu'à là. Et pousser à la droite. Nickel. Ok, donc j'ai une autre solution. Ce serait de... Ouais, bon. En attendant... oui, bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, je vous le dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vous le dis, les gens, je suis bloqué. Hein. On peut pas tenter d'aller par là. Non, on peut pas aller par là. Hein. On peut pas, non. Bon. Que je réfléchisse. Laisse-moi réfléchir 30 secondes. Si je vais pas. Je peux pas aller à droite. Je peux pas aller à gauche. Si je peux juste remettre ça. Mais ça m'avance à rien. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur internet. De type internet. Et je vais regarder solution à Rennes voie la roque
Je vais juste couper le son de la vidéo. Voilà, nickel. Alors, attendez. Parce que lui, il... Ah, il arrive à y aller. Ok. Donc, le mec arrive déjà à aller dans le... Alors, attendez. Il fait comme moi. Ouais, il pousse vers la gauche. Nickel. Ok. Bon, moi, j'ai fait ça, déjà. Vous voyez peut-être pas, mais il est en train de faire un truc, là. Voilà, il fait... Si vous voyez, bah, c'est cool. Mais là, je me remets... Voilà, il fait OK. Donc, il a poussé vers le haut. Je pense qu'après, il va la pousser vers la droite, à mon avis. Voilà, c'est ce qu'il fait. OK, donc là, on est au même stade. Hein. D'accord. Ouais. Très bien. Ah ok, j'ai compris. En gros, il a fait ça. Voilà, il a monté, il a pris l'escalier, il est redescendu. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et il est passé par là. Pour casser, ici, là. Hop, si on arrive... Voilà. Et voilà, il a cassé ça. Et ensuite, il l'a repoussé pour casser ça. C'est tout bête. C'est vraiment tout logique. Mais j'avais pas pensé, vous voyez. Et là, normalement, si on fait... Alors, attendez. Comme ça, on casse ses pneus et on a accès à la championne. Bah oui. Et on repousse. Et c'est nickel. Clac. Terminé. Donc je peux fermer internet pour faire moins de processus. Et puis écoutez, on va s'attaquer à la championne d'arène. C'est parti. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, la championne de cette arène. Je ne sais pas ce qu'elle est être forte. Ni comment je suis devenue championne d'arène. Mais je ferai de mon mieux pour faire mon honneur à mon rang. Je prends le combat très au sérieux. C'est quand tu veux. Ok. Elle envoie... Meditica. Très bien, le niveau 28. Meditica de type. Meditica est de type. Je regarde tout de suite. Ah, mais je mets des. Ah, j'ai bougé mon micro, désolé. Hop. Très bien. Alors, Meditica, il est de type combat psy. Je vais taper psy type. On va voir contre quoi il est faible. Hein. Wow. Ok. Oh mais mon dieu, c'est pas possible. Ok. Ouais, presque. Bon, ben voilà. Hein. Tortue et KO. Cet épisode est très riche en coupures. Ça commence à m'énerver parce que j'ai toujours des trucs qui se passent à côté, ça m'énerve. Voilà, donc on envoie le vol. On fait un aéropic dans sa gueule. Voilà. Match Hopper. De niveau 29. Aéropic. Même stra, j'ai envie de dire. Ok. La tombe roche qui va me faire extrêmement mal. Je retente l'aéropic. Nickel. Et elle envoie un Lucario. Voilà, je suis dans la merde là. 32. Wow, wow, wow. Mon dieu. Et bah non, je n'ai pas survécu. Là, je suis dans la merde. Comment vous le dire? Parce que l'arène, elle a été remise à zéro. Je vais devoir tout refaire. Ça m'énerve. Et hé. Bon, je peux rentrer? Très bien, merci beaucoup. Ouais, tout a été refait en entier. C'est génial. Et bon, écoute, on va tout reparcourir. Et ce que je vais faire...
voilà, je vais faire ça. Je vais faire cette chose là qui s'appelle mettre le vol en première position. Allez. Allez. Oh là là, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent, ça m'énerve. Les animations, elles sont beaucoup. Voilà. Faut attendre que ça se remette bien. Voilà. Oh là là, ça va m'énerver, je le sens, les gens là. Voilà. Je vais bouger celui-là. Ah oui. Celui-là, faut que je prenne comme ça. Voilà. Nickel. Ensuite, je fais tout le grand tour pour me foirer. Nickel. Voilà, on est obligé de tout refaire dans l'arène. Alors que l'arène, elle prend 10 000 ans à résoudre. Et t'es obligé de tout refaire. Voilà. Allez. Ah, je suis énervé là. Voilà, ça prend tout son temps. C'est dans ces animations là que je n'aime pas. C'est la pire arène de tout le jeu. Pour moi, oui. Voilà, ensuite faut repasser en dessous et faire le grand tour pour casser ces pneus là. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais merde, ces animations là, con là. Voilà. Mais son bouton. Voilà. Voilà. Accélère parce que ça m'énerve. Je dis comme je le pense. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, boum, on passe par là. Et l'animation. Hop, j'accélère parce que ça m'énerve. Bon. Allez. Ok. L'aéropic qui le one shot, ça c'est nickel. Mais j'ai peur pour le Lucario en fait, c'est ça les gens, j'ai vraiment peur. Une aéropic de type. Aéropic, nickel. Je recommence parce que j'ai coupé l'enregistrement, mais bon. Enfin, je recommence, je reprends la vidéo. Lucario. Genre, ouais, tortue. Lucario, il est type quoi? Non, je vais regarder. Lucario. Alors, Lucario, il est de type combat acier. Très bien. Forte paume, ok, très bien. L'éclatroc fait mal l'éclatroc. Vampipoint, ok. Et ok, je pense que ça va le faire. Si on arrive à se soigner, franchement. Paume qui fait pas trop mal. Je retente une éclate rock. Après le vampi point. Ok, c'est bon. Éclate rock, on est à la moitié. Mais ouais, hein, c'est. Faut être vraiment patient dans ce type de combat. Voilà. Je pense qu'il va nous mettre KO là. Ouais, je vais me re-soigner. Ok. Et retente le vampi point. Moi je le tiens. Je lui fais un éclat rock. Ça va quand même beaucoup mieux. Ok. Est-ce que, à mon avis, je peux en tenir encore un vampi point? Oui. C'est bon. Nickel. On l'a tué. On passe au niveau 32, c'est nickel. Ah super, nickel.
Vampigraine. Non, j'ai pas ton idée. Et on a battu le champion Mélina, tout simplement. Voilà. Il évolue. Po, po, po. On va avoir un étouraptor, ma gueule. Et boum. Le vol évolue en étouraptor, c'est génial. Close combat. Oh, oh mon dieu. Oh bah bien sûr que j'oublie. Charge. Attendez. Close combat. Oh il évolue aussi. Mais oh la vache, c'est la phase des évolutions, mon dieu les gens. Mais c'est incroyable la phase des évolutions quoi. Franchement la coïncidence de malade. Ouais un Torterra. Voilà Torterra mais la coïncidence de dingue. Séisme. Oh mon dieu séisme. Oh putain. Ah oh, bien sûr que j'oublie. J'oublie méga censure. Oh mon dieu. Et voilà. Nickel. C'était 60. Ok. C'est bon? Je peux partir? Ah oui, là, attends. Ici, il y a une petite sortie. Plutôt discrète. Plutôt de type discrétion, en fait. Oh non, 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 pas l'animation! Voilà. Aïe. Yeah. Aurore. Salut les gars, tu peux m'aider? C'est Bandit et Mugarex qui m'ont volé mon Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît. J'attendrai devant le hangar. A tout de suite. Et bah écoutez, on va faire ça dans le prochain épisode. En attendant, on va aller juste se soigner au centre Pokémon. Voilà. Hop. Hop. Huit. Centre Pokémon. Bon, j'accélère. Et bah écoutez les gens, on va se retrouver dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu après beaucoup de coupures, du what the fuck et un peu de censure. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.